précédemment dans une maison africaine. Vraiment machin, sinon vous dormez quoi que tu dois se retrouver au salon à la première heure. Bon bref, on n'a pas que ça à faire. Il faut qu'on commence l'adoration. Marie, donne-nous un chant. Les oreilles, tu sais même à quoi quand on est à l'église. Ma mère et puis ma soeur sont de retour. Ça va. Je dois te cacher rapidement. Comme je vous l'ai dit depuis le matin, vous êtes dans mon collimateur. Et c'était que le début. Attends que ton père revienne. Tu verras. Ma chance. Descends bien. Tu nous ajoutes une heure en plus. Oh. Mais franchement, vous êtes quel genre d'équipe? Je dis, hein, descends bien. Mais d'abord, une œuvre très mal. Descends. Oh non, mais franchement, comment vous pouvez laisser l'autre équipe gagner? Moi, je vous supporte. J'ai mis mon argent sur vous. C'est quoi ça? Hé, maman, regardez-moi ça. Tu fous quoi, même? Passe comme ça. Si moi, je jouais, il y a longtemps, vous aurez déjà gagné. Je dis, hein, qui joue comme ça? C'est Barcelone contre Real Madrid. Ah, maintenant je comprends pourquoi tu es aussi passionné. Donc, qui est en rouge et bleu? C'est Barcelone. Et qui est blanc? Real Madrid. Ma sauce. Passe! Passe! Là, vous me donnez des passions. Je te dis, mademoiselle, tu veux la rejoindre? C'est le vide de quoi, non? Non, maman, c'est pas drôle. Ah, mouf! Fiche le camp! Quitte ici! Ma chance. Bon, mademoiselle, lève-toi. Ça fait maintenant 1h30. J'espère que ça t'a fait réfléchir un peu. Je ne parle pas à une muette. Oui, papa. Qu'est-ce que tu as appris de cette leçon? J'ai appris qu'il faut obéir quand maman me dit de faire quelque chose. Que cela ne se répète plus, tu comprends? Papa. Ah, alors la sentence a été? C'est pas drôle. Je vois vraiment que tu as perdu du poids. Qui ira bien? Qui ira le dernier? Franchement, toi, tu faisais quoi pour oublier? Il n'est pas de compte à te rendre. Ok, je prends note. Donc, si moi, t'es pas comme ça, je ne vais pas te fâcher d'elle. Non, petit amusement, il est fait là, tu es fâché. Relax, Raoul. Fais-y que c'est passé là. KFC est venu ici. Ah! Mijo, Mijo, l'enfant rebelle. Plus terrible qu'une amie rangée en bataille. Tu vas recommencer encore. Franchement, plus rebelle que toi, il n'y a vraiment pas son de chi. Maro. Aïe. Maro, c'est qui? C'est François. C'est pas François, Joe, c'est Léa. Elle me demande si j'ai fait mon devoir d'algèbre. J'enlève les réponses, quoi. Attends, y'a voir, plus forte que moi en maths, là, y a pas son deux. Tu? Toi, forte en maths. Ah, on aura tout vu, voici ça. 3 ex. Pourquoi il y a beaucoup de ex comme ça là? C'est parce qu'il faut trouver ex. Aïe. Pardon, moi, il y a trop de problèmes pour m'occuper d'ex. Il ne peut pas trouver son propre problème. Franchement, les parents ont raison. Non seulement tu manques d'intelligence, mais en plus de ça, tu ne vaux rien. Ah, c'est pas qu'il voulait t'aider, tu parles mal. Tu dis que tu as faute en maths, mais petit âge, mais ça te dépasse. C'est que tu es resté à scolaire la semaine prochaine, ça serait la pâte. Ta santé sera terrible, plus terrible qu'une amie rangée en bataille. Ouais, c'est pas comme toi, Dad. Tu seras vraiment surprise du contraire. Papa sera mieux utile que toi. Oui, c'est ça. Faut aller devenir papa. Mais ça, c'est quoi ça? Si moi je jouais il y a longtemps, vous aurez déjà gagné. Passez la balle, c'est quoi ça? Marco, qu'est-ce que tu veux? En fait, j'ai besoin que tu m'aides avec mon exercice de maths. Ok, attends. Les équations du premier degré, waouh, ça fait longtemps.
À notre époque, nous faisait tout sur le cahier. Maintenant, vous faites tout sur l'ordinateur. La technologie, c'est quelque chose. Ok, si tu ne comprends pas. En fait, c'est pour résoudre. Ok, va me chercher une feuille blanche avec un stylo. Je vais te montrer comment faire. C'est pas aussi compliqué que ça. Mais Gardi, qu'est-ce que tu fais? Oh, franchement, vous allez me donner les tensions. Bon, voici comment ça se passe. 3x plus 4 égale à 2x plus 9. Tu fais ça. Tu fais ça. 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 Il te reste x égale à 9 moins 4. Ça fait combien? Ça fait 6. What? Hey, Marie, tu blasphèmes sur les maths aussi. Tu n'as pas honte? Hey, je dis que dans cette maison, j'aurai seulement tout entendu. Seigneur, tu vas m'apprendre. Tu vas la qualité dans le monde. Mademoiselle, 9 moins 4, ça fait combien? Ça fait 5. Alors, pourquoi tu dis 6? Bon, x égale à 5. Voilà comment tu trouves x. Donc, fais-moi les autres. Écart à toi, c'est une faute. Kona, tu me déçois. Hein? Grâce Marie-Romaine, tu as 10 mangues et j'enlève 7. Ça te fait combien? Ça fait 3. Si tu sais la réponse, pourquoi tu mets 5? Enlève-moi ça rapidement. Mes mains commencent à me gratter. Tu sais comment je suis. Divise 8 par 2, le restant c'est 4, mademoiselle, c'est pas 6. Les maths sont faciles, pourquoi tu les rends compliquées? Tu continues à pleurer, j'ai hey, Marie, tu as l'oublié à la place du cerveau. Marie, va appeler ta soeur, le repas il est prêt. Le dîner est prêt, ta mère t'appelle. Je vois que non seulement le karma t'a frappé, mais bon. Tu perds du poids. Ah maman, encore riz sauce tomate. On pourra manger quelque chose d'autre. Genre italien, McDo, je sais pas. Je viens, ma chérie. Si tu es trop fâchée, soit tu rations de la maison, ou soit tu sautes, tu calmes l'air. Tu comprends, non? Au lieu d'être reconnaissant de ta mère qui a préparé et que tu as la nourriture à manger, tu es là, tu te plains. Je sais pas qu'il y a des enfants qui meurent de faim, qui même rêvent de manger ça. Tu es là, non, McDo, italien. Je n'aime pas ça. Change-moi cette mentalité-là rapidement. Se plaindre, même, c'est pour ceux qui savent même préparer. Je dis, un bouillie, l'eau, ça te dépasse. Ne me fais même pas venir chez toi, tu comprends, non? Chérie, s'il te plaît, conduis-nous en prière. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les résultats scolaires sortent la semaine prochaine. J'espère que vous deux là, vous avez de très bonnes notes. Sinon, préparez pour une troisième guerre mondiale. Bah, faut pas t'inquiéter pour maman, ça passe. Mijo, et toi, ça passe? Ah, pourquoi vous me riez comme ça? Moi, ça va. Le bulletin sera témoin. Je vais vous montrer que la pierre rejetée peut devenir aussi la principale. Moi qui pensais que tu ne lisais même pas ta Bible. Marie, prends note. Je dis, Marie, pourquoi tu manges rapidement comme ça? La nourriture ne va pas fuir. Hey. Papa, ta journée, ça a été? Ça a été. Ça m'a fait du bien de ne pas voir vos visages pendant quelques heures.
et mes collègues vont bien. Nous vous saluons. Chérie, ta journée, ça a été? À part les deux aussi qui m'énervent très mal, ma journée a été. En passant, j'ai rencontré des connaissances au supermarché. J'ai parlé avec ma marine. Hé, hey, comment elle va? Il y a longtemps, j'ai entendu parler de ma marine. Ah, elle va bien. On a parlé de la... Excusez-moi. Je reviens. Bon, comme je le disais, on a parlé de la tombe. Ouais, tu dis qui est ton père, s'il pouvait être un acteur, c'est juste que sa vocation est réussie. Tu ignores quoi? Je savais pas qu'il a vraiment cru en fait. C'est vrai, ce que ta mère dit, c'est vrai. Mais bon, c'est le bon vieux temps. Qu'est-ce que j'ai raté? Rien de bon, juste à part que demain nous aurons de la visite. En plus de ça, Laurent, photographe, qui viendra nous faire la photo de famille, comme ça fait un peu longtemps. Donc, je compte sur vous pour m'éviter la honte. Et c'est qui le photographe? C'est un professionnel. Je l'ai rencontré à travers WhatsApp. Papa, c'est pas WhatsApp. Papa, c'est WhatsApp. WhatsApp. Mais c'est ce que j'ai dit. WhatsApp. Non, papa, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit WhatsApp. Les oreilles, c'est comme les pieds. Ça se lave. Ok, comme tu le veux. Mais pourquoi on refait les photos de famille, les anciennes? Avec le temps, vous grandissez, nous vieillissons. Donc, c'est important de faire de nouvelles. Tu comprends, non? Et de plus, ce sont les souvenirs que vous allez montrer à nos petits-enfants dans des années futures. Es-tu proche? Hé, hey, es-tu éloigné? Je dis, je ne veux pas entendre de grossesse. Vous comprenez, vous deux là? Tant que vous n'êtes pas mariés, je ne veux pas entendre de grossesse. Vous comprenez? Sinon, le jour là, on ne va pas vous dire. Tu comprends? Tu comprends? Moi, je comprends. Vous n'avez même pas avec vos petits. Non, c'est bon, je m'en proche. Marie-toi d'abord. Ma chance. J'espère qu'on sera pas en uniforme parce que moi, là, je vais choisir mes habits cette année. Désolée de te décevoir, mais les uniformes sont dans ma chambre. Je vais vous donner ça demain. C'est toujours la même chose. Pourquoi on a toujours s'habiller pareil? Pour renforcer l'unité familiale. Ok. Je dis, tu as honte de ta famille. En fait, pour dire la vérité, moi, des fois. Non. C'est pas honte. Alors, maman, c'est qui viendra nous visiter demain? Vous le saurez demain. La patience est un chemin d'or, mademoiselle. Merci beaucoup. Oh, merci, maman, pour le repas. J'ai bien mangé. Oh, maman, merci beaucoup. Bon, mademoiselle, c'est fait tard. Mangez-moi cette nourriture. Lavez-moi les assiettes. Assurez-vous que la porte est bien fermée. J'ai déjà fait, mais bon, assurez-vous. Et on se dit à demain. Ok, ça marche. On va aller digérer dans la chambre. Chérie, j'arrive. J'ai dit, n'oubliez pas de prier avant de dormir. Nettoyez-moi ça très bien. Bonne nuit papa, bonne nuit maman. Bonne nuit. À propos de demain là, c'est qui va venir? Qu'est-ce que tu penses à ce que moi je pense? Non, tes pensées sont pas divines, j'ose même pas aller là-bas. Tchis. Mais ce que je pense c'est que... J'arrive. Tu m'as dit que c'était urgent, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça fait quelques jours maintenant, je ne vois plus mes règles. Ah, où est le problème? Achète-toi de nouvelles règles, non? Toi, tu n'es pas réfléchi, oui. Si ça fait depuis quelques jours, je ne vois pas mes règles, tu es là, tu me dis d'acheter de nouvelles règles. Tu es bête ou quoi? T'as la chance que tu payes bien. Quoi? Bon, la famille, c'est la fin de cette vidéo. Je pense qu'aujourd'hui, c'est moi qui vais clôturer parce que ma robot... Je sais pas ce qu'elle fait. Si vous voulez l'épisode 9, vous savez déjà quoi faire. Commentez en barre d'infos. Vous êtes quel team et aussi quelle scène vous avez préférée. N'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu parce que ça motive et c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater chaque fois quand je poste des vidéos. Ça motive. Donc je compte sur vous pour partager. Partagez à fond. Et on va se retrouver la semaine prochaine. François, okay, écoute-moi très bien. Il en faut deux pour faire un. Tu comprends, non? Tu comprends, non? Donc... Hey!
Tu me raccroches au nez. Toi, tu me connais. Je ne vais pas t'en sortir comme ça. Je suis désolée. Hey, qui m'a envoyé? Voici ça. Maintenant, ma vie est foutue. Je veux faire quoi? Votre appel ne peut aboutir. Mais tu quoi, ma famille? Votre appel ne peut aboutir. Toma, 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 toma